Donc là, nous sommes sur une phase d'allumage, un allumage en cours du poêle Milano 11 kg de la gamme luxe de chez Interstore. Donc voilà, donc on peut voir que pendant la phase d'allumage, on a une flamme qui est assez vive, bien jaune, pas trop rouge. Si la flamme est trop rouge, ça veut dire que ça manque d'air. Si la flamme n'est pas très vive comme ça, toute vacillante de droite à gauche, ça manque aussi d'air, ou c'est qu'il y a trop de granulés. Donc là, on a quand même une flamme qui est belle, qui est jolie. Elle est bien vive, bien jaune. Et donc elle monte quasiment jusqu'en haut du foyer de combustion. Donc là nous sommes encore en phase d'allumage et on peut voir que la flamme est bien vive. Donc pour faire un bon réglage de combustion sur un poêle à granulés, en puissance 1, ce qui est la puissance la plus petite du poêle, donc c'est-à-dire une petite soufflerie et une petite flamme comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'en puissance 1, on doit avoir une température des fumées qui varie entre 105 et 120 degrés, 125 degrés maximum, pour avoir une bonne température. Alors, la flamme doit être toute petite, elle doit de temps en temps dépasser le bras zéro, comme vous pouvez le voir. Elle doit être bien vive, bien droite, toujours rester droite, et bien jaune, pas rouge, pas rouge foncé. Si vous avez une flamme qui est rouge foncé et qui n'est pas bien vive, qui vacille de droite à gauche tout doucement comme la flamme d'un poêle à bois, à ce moment-là, c'est que soit vous avez trop de granulés ou soit vous manquez d'air. Donc pour faire un réglage de combustion, il faut appuyer une fois sur le bouton 7 de votre tableau, de votre display, tableau de commande. Vous appuyez une fois sur le bouton 7. Vous appuyez trois fois sur le plus de la température jusqu'à arriver jusqu'à paramètres. Une fois arrivé à paramètres, vous rappuyez une fois sur le bouton 7 pour rentrer dans ce menu. Vous allez avoir le sous-menu remplissage pelé, donc là, la dose de granulé. Donc dans 95% des temps, on diminue cette dose de granulé. Donc vous allez mettre avec le moins de la température du thermomètre, vous allez mettre moins 5, moins 8 ou moins 10. Vaut mieux y aller par étapes. D'abord moins 5, vous voyez ce que ça donne. Et si vraiment il y a encore trop de granulé, vous mettez moins 8 et ainsi de suite. Une fois que vous avez mis moins 5 à remplissage pelé, moins 5%, vous appuyez une fois sur le bouton 7 pour valider l'information. Ensuite, vous allez appuyer une fois sur le plus de la flamme, c'est-à-dire tout à droite, en haut à droite, pour aller à déchargement fumée. Donc là, on va régler l'apport d'air. Donc, en 85% des temps, quand vous diminuez la dose de granulé, vous allez augmenter l'extracteur des fumées. Donc, vous allez mettre plus 5% avec le plus du thermomètre, de la température. Et vous appuyez sur 7, le bouton 7 en haut à gauche, pour valider l'information. Une petite pression suffit. Visuellement, vous n'allez rien voir, mais vous allez entendre un bip comme celui-ci. Et pareil que pour la dose des granulés, pour l'extracteur des fumées, vous mettez plus 5, et vous voyez ce que ça donne. Ensuite, vous mettez plus 8 s'il n'y a pas assez d'air. Et si vraiment vous manquez d'air, vous mettez plus 10 pour arriver à une flamme vive et bien claire comme celle-ci, en puissance 1. Donc là, nous sommes en puissance 5. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de bruit parce que le ventilateur tangentiel, comme je vous expliquais dans un tutoriel précédent, il tourne à sa pleine puissance. L'extracteur des fumées tourne à sa pleine puissance aussi. Donc là, la dose de granulé est plus importante qu'en puissance 1 et vous pouvez le constater grâce à la flamme. Donc là, comme pareil qu'en puissance 1, vous avez une flamme qui est bien jaunâtre, qui n'est pas trop rouge foncé, qui est bien vive, mais qui est plus grande parce que forcément il y a plus d'apport d'air et plus de granulés. Donc la flamme, il faut qu'en puissance 1, elle vienne lécher le haut du corps de chauffe, comme vous pouvez le constater actuellement. Vous pouvez régler la puissance du ventilateur tangentiel, c'est-à-dire que si, admettons pour vous, le ventilateur tangentiel comme on entend actuellement en puissance 5, fait trop de bruit, que ce soit en puissance 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous pouvez le diminuer un petit peu légèrement. C'est-à-dire que vous allez appuyer une fois sur le bouton 7. Vous allez appuyer trois fois sur le plus de la température pour aller jusqu'à paramètres. Arriver à paramètres, comme pour le réglage de combustion, vous allez appuyer une fois sur le bouton 7. Il va y avoir marqué remplissage pelé. Vous appuyez une fois sur le plus de la flamme, tout en haut à droite. Il va y avoir marqué déchargement fumé. Vous appuyez encore une fois sur le plus de la flamme. Il va y avoir marqué Event Environnement, 0%. Et là, vous allez pouvoir régler le nombre de tours minutes de votre ventilateur tangentiel. Donc si ça fait trop de bruit pour vous,
vous pouvez le diminuer jusqu'à 15%. Attention, pas plus de 15%. Sinon, le ventilateur tangentiel va tourner trop lentement, va pas assez dégager la chaleur qui est à l'intérieur du poêle et le poêle va surchauffer. Donc, vous allez avoir l'erreur 14. Une fois que vous avez fait votre modification, vous avez mis moins 7, moins 8, moins 9, moins 10% sur l'event environnement, donc sur le ventilateur tangentiel, vous appuyez une petite pression sur le bouton 7 pour valider l'information et une petite pression sur le bouton marche arrière pour revenir au menu principal.